vous allez bien? Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Après avoir fait un demi-million de 24 heures sur ma chaîne où je mangeais beaucoup, j'ai décidé de vous faire un 24 heures dans la peau de mon mec. On a des vies complètement différentes, mais je me suis dit que ça pouvait être drôle. Honnêtement, je pense que ça va être très marrant. Donc let's go, rendez-vous au réveil. Bonjour. Aujourd'hui dans la peau de Jérémy, pendant 24 heures, on n'a pas du tout les mêmes vies, le même rythme de vie, ça va être une catastrophe. Mais bon, ça peut être marrant. Et en vrai, on est ensemble, mais j'ai aucune idée de ce que tu fais de tes journées, c'est très grave. On n'habite pas ensemble, pour ceux qui sont pas au courant, mais on habite juste à côté, ce qui fait que on peut se voir souvent, mais on vit pas du tout les mêmes journées, les mêmes choses. C'est assez spécial. Et déjà là, la journée, elle commence. Quelle heure il est? Je sais pas, 8h30. Voilà. Elle commence bien trop tard. 8h, moi ça me stresse, genre. Parce que je me suis levée trop tôt dans ma vie, donc maintenant je profite. J'ai trop envie d'un bon pain au chocolat. Mais j'avoue, ça se tente hein. Ça se tente, je mange ça souvent le matin. Ouais, je sais, c'est pour ça. Bon, déjà, ça commence bien alors. Là, on va faire quoi? C'est quoi le premier truc que tu fais quand tu te lèves? On se douche. On peut pas manger avant? Non, on se douche, on se prépare, faut être beau pour aller à la boulangerie. Ok, vas-y. Je suis prête. Sauf que, en fait, moi j'ai un problème parce que toi t'as pas ce problème. Mais moi je peux pas me maquiller maintenant si après tu veux faire du sport. C'est pas grave, on se maquille après sport. Ok, j'ai faim. Let's go. Let's go. Merci beaucoup. Au revoir. On peut manger? Non. Toi tu bois tout le temps du thé, avec tout, tout et n'importe quoi, t'en bois combien par jour? Je sais pas, 3, 4, 5, plein. T'es un malade. Merci. Bon, je fais un unboxing de ce qu'on a acheté. Nous avons deux pains au chocolat, par contre, pourquoi autant de choses? Je sais pas, c'était la vidéo, normalement j'en prends pas beaucoup. J'espère. Un croissant. Sinon je vais devenir obèse. Bon courage pour aller faire du sport après ça. Un financier, pain d'épices et un beignet Nutella. Non mais toi t'es une forceuse, pourquoi t'as forcé? Je voulais juste un beignet Nutella parce que c'est trop bon. Non mais ça c'est pas un petit déjeuner. Non, mais je voulais juste, à la base, je voulais juste un petit beignet. T'as pris ton Mac? On a terminé de manger. Non. T'as pas pris ton Mac? Non. Bah, je comptais travailler sur ton ordinateur. Bah non, c'est moi qui bosse. Bah, je suis dans ta vie. Ouais, enfin bon. J'ai pas pris l'ordinateur. C'est vrai? Bah ouais. Prochaine étape, travailler parce que quand même, il serait temps. J'ai logué. Du coup, tu travailles, genre jusqu'à que tu fasses du sport, c'est ça à peu près le matin? Ouais. Est-ce que tu nous expliques ce que tu fais comme métier ou pas? Comme métier? Ou c'est chaud? Non, je peux. Avant, je bossais dans un truc qui avait rien à voir. En gros, dans la finance. Après, je suis allé dans l'événementiel, j'ai monté ma société dans l'événementiel, qui a bien fonctionné au début. Le Covid est arrivé. Donc, ça a un peu tout stoppé. Et toi, après, t'es allé sur YouTube. Donc, maintenant, j'ai remonté un autre projet à la place, que je suis en train de préparer. Et je t'aide pour la partie YouTube. Ouais, et faut savoir que Jérémy, en gros, il a mes mails. Si j'ai pas le temps, parfois, il m'aide parce qu'il s'y connaît très bien aussi et que je lui fais confiance et donc il m'aide beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sans parler de genre des mails et tout, il y a plein de trucs dans les vidéos que tu m'aides, même des trucs qu'on voit pas forcément, genre j'en sais rien, acheter des trucs pour les vidéos et tout, ouais. Jérémy, il m'aide beaucoup. Je suis assistant réalisateur de vidéos. On va se mettre au travail. En vrai, on va faire quoi? On va faire mes mails du coup? Moi j'ai des trucs à faire pour moi. Okay. J'ai des mails à toi, enfin faut que je réponde à tes mails. En vrai, il est déjà tard donc on va bosser genre 1h30 et après on va aller faire du sport. Ouais, ça me va, let's go. On a terminé de travailler, maintenant c'est l'heure du sport. La grosse différence entre Jérémy et moi, c'est que Jérémy va à la salle de sport et je déteste la salle de sport. Avant, moi, il faut vite que j'aille donner à manger à Miso. Je suis prête, j'ai mis ma tenue de sport toute noire. Franchement, la salle, c'est mon angoisse. Je sais pas si les filles vous sentez comme moi, mais vraiment, avant, j'allais à la salle et j'en garde un très mauvais souvenir. C'était hyper oppressant, genre quand je faisais du sport, j'étais stressée. Le regard des gens et tout, franchement, la salle, je déteste. Donc, on s'habille en noir pour pas tirer attention. Je veux surtout pas que quelqu'un me regarde, ça me stresse. Et une grosse doudoune parce qu'il fait moins 10 et qu'on y va en scooter. Il faut savoir que Jérémy se déplace tout le temps en scooter.
Ouais, il y a personne, c'est trop bien. Je vais râler toute la journée. Comme ça, il va passer une journée horrible. Je vais me venger. Du coup, on déjeune quoi? Bah, je sais pas, toi, tu manges quoi? Souvent un Jap. Bah, vas-y, let's go. Tu veux? Ouais. Quand on mange des trucs, des restaurants, je suis toujours très contente. Ça y est, on est arrivé à la maison. Regardez comment ça a l'air trop bon. Sushi, maki saumon, soupe miso, bien sûr, salade et brochette bœuf fromage. Mmh. En vrai, j'aime pas trop ton programme, désolée de te critiquer. Mais genre là, il est 14h, tu manges à 14h. Genre j'ai laissé cette tête à 14h. Alors moi, c'est un truc que je peux pas. Parce que tu vois, moi je m'en fous de pas me maquiller. Mais par contre, psychologiquement, t'as pas l'impression d'être prêt. C'est comme toi avec ta douche, moi c'est le maquillage. Ouais, je comprends. Et donc du coup, genre là, de me dire je dois me doucher parce que j'ai fait ouais, du là, sport. Ouais, il est un peu tard, tu vois. Normalement, je finis le sport à 13h, tu vois, je rentre, j'ai déjà. Ouais, là on est grave en retard. Par contre, j'ai trop faim. Tenir jusqu'à 14h, je peux pas. Terminé de manger, donc douche, make-up ultra rapide et ensuite on doit partir. Voilà, let's go. Ça y est, je me suis maquillée en 10 minutes, je suis allée vite. J'attends toujours le programme parce que je ne le connais pas. J'attends que Jérémy sorte de la douche. J'ai hâte de savoir parce que là, il faudrait bien qu'on fasse un truc quand même. Puis-je avoir le programme, s'il vous plaît? On va à Paris, parce que j'ai un rendez-vous à Paris. Donc on va bosser un peu, il y a le rendez-vous. Après, on va juste manger, boire un petit truc dans un endroit où je vais souvent. Ok. Ça te va? Ça me va. Go. Go. Je suis hyper contente. Que le rendez-vous, c'est un endroit hyper spécial. En gros, c'est un endroit dans le 15e, ça s'appelle l'Elliptique, c'est ça? L'Éclectique. Depuis le premier date, on n'est jamais venu ici. Toi, t'es déjà retourné? J'ai plus envie. Bon bref, on va à notre premier date et moi, je suis... Oui, mais je m'en fous. Je m'en fous. À la base, j'étais contente, maintenant il m'a gâché mon mood. On attend le rendez-vous. On a terminé. Franchement, c'était cool. On a bu un petit thé. On va, en gros, c'est un petit café japonais avec plein de petits gâteaux matcha, plein de petits trucs japonais. C'est trop bon. Bon bah, je te suis alors. Let's go. Crêpe matcha, un mochi matcha. Merci, merci beaucoup. Beaucoup. Oh merci. Merci beaucoup. Super. Merci, merci beaucoup. Oh mon dieu, le paradis. Un paradis sur terre. Ok, c'est incroyable. Je vais goûter. Trop bon. Là, c'est la tarte au yuzu. Vas-y, vas-y, coupe. Là, on a une surdose, on a mangé des pains au chocolat et tout. Oh, ça va, ça va. Je vais goûter mon mochi qui a une texture absolument mochi incroyable. La texture, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais goûté un mochi comme ça de ma vie. De ouf. Ouais, t'es malade. Ouais, wow. Vas-y, arrête. Là, on est censé rentrer avec ce temps là. On va dans cette pierre. C'est un gag. C'est un gag. Bon, j'espère bien que dans ton programme, il y a un plan B. Est-ce que on peut manger notre mille feuilles, mille crêpes matcha? Et ça là, croyez-moi, c'est incroyable. C'est bon. Non, c'est bon. On va dans toutes les vidéos, on fera toujours que manger. Chine. Surtout qu'on dîne dans une heure. Ah oui? C'est quoi le programme? Dis-nous dans la vidéo. Parce que moi je sais pas. En fait, je suis une compétition e-sport. Donc c'est genre du jeu vidéo. C'est genre un championnat, si tu veux. Ouais. Et dans tous les cas, moi à 20h, je mange devant ça, tu vois. Tu manges quoi le soir? Faut mieux pas parler de ce sujet. Hier c'était du pain et du fromage. C'est sérieux? Ouais. Bon chance pour ce que je vais te mettre. Ça va pas me plaire, tu penses? Ouais, je pense pas. À gauche, ah, il y a. Ah ouais, ouais, mais déjà je comprends rien. Ça fait une deux. Ah non, mais tu vas rien comprendre quoi. À ce qu'il parle. Oh là là, ah ouais, ouais, ce genre de truc, ça me fait péter les plombs. Moi, c'est pas mon truc. En vrai, je comprends, genre, que ce soit les trucs qui t'intéressent. Moi, je comprends rien, tu vois. Oh là là, comment j'aime pas ça. One hour later. C'était pas mon style. Jérémy va faire à manger. Et ça, j'approuve totalement. Même si là, je peux plus rien manger. J'ai le mec qui fait le plus de bruit au monde entier. Tu fais des pommes de terre avec quoi? Avec un steak.
pressant. Ce genre de steak. Pour rester dans la lignée. Peut-être sans toi, j'aurais pas fait de steak. Et moi, je suis assez bizarre pour juste manger des pommes de terre sans ketchup. Mais je peux pas te proposer ça comme repas. Tu veux éplucher les patates ou c'est moi qui dois le faire, ceci? Bon, alors là, tu le fais. Compte pas sur moi, on va faire le moins de trucs. Je fais rien. Tu veux un micro? Un micro pourquoi? Bon, je m'en vais pendant que tu fais à manger. Ah, t'es sérieuse? Mais je vais pas te regarder couper les patates. Tu peux m'assister. Bon. Mais là, il y en a pour combien? 15 minutes? Toujours obligé d'abuser comme ça. Ça dépend si je les coupe en polygone ou si je fais ça bien. D'accord, je vais 15 minutes. Vas-y, non, je vais pas utiliser des mots que tu comprends pas. T'es pas derrière. Je me casse! Il faut que ça soit gourmand. C'est quoi cette gourmande? Voilà, c'est énorme là. Mais j'en sais rien, c'est toi là. Tu vas-y, c'est des pommes de terre sautées, c'est bon que dans le. T'as rincé pour l'amidon? T'inquiète. T'as pas rincé, mais c'est dégueulasse. Ta grand-mère, tu penses qu'elle rince pas les patates? 100% que ma grand-mère rince pas les patates. Jérémy, regarde-moi bien. On l'appelle tout de suite. Sur la tête de ma mère, qu'elle dit qu'elle rince les patates. Elle vient d'Allemagne, frère. En Allemagne, elle rince pas les patates. Ça marche. Je sais pas quelle heure il est, mais là, c'est 25 minutes de cuisson minimum. Oh, bah, non, mais t'es sérieux? Oh, je vais dormir. Dans 25 minutes, je suis censée dormir, Jérémy. Combien de fois j'ai vu l'heure qu'il est? Tu m'as arnaqué. Oh là là, il a baisé ma vidéo. Oh là là là. L'assiette, elle est super drôle. En vrai, ça a l'air bon, hein. Tu peux goûter? Ouais, c'est chaud, je pense. Good. C'est bon? Good soup. C'est pas ouf? Non, c'est bon. Merci pour ce repas. Ça y est, c'est terminé cette journée. En vrai, c'était cool, hein. Le seul truc que j'ai détesté, c'était de me lever tard. Tout est décalé et en plus, tu te couches tard. Genre là, quelle heure il est? 22h15, normal. Wouah, t'es une galère. Normalement, je me couche dans 15 minutes. Genre, dans 15 minutes, je fais dodo. Là, je suis pas démaquillée, je suis pas douchée, je suis rien. Si vous avez d'autres idées de vidéos que vous voulez qu'on filme ensemble, comme d'hab, n'hésitez pas. On est toujours partant. Et même si Jérémy n'est pas partant, je le force. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais ça vous a plu. Je poste 2 vidéos par semaine, une le mercredi, une le dimanche. Et n'hésitez pas également à vous abonner à mon Instagram. Le lien est en barre d'infos, comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et on vous dit à mercredi dans une prochaine vidéo. Mouah.